alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Valery qui va vous présenter le Raspberry Pi GSM Add-on version 2. Cette carte d'extension pour Raspberry est basée sur le module SIM800 qui est un module GSM, GPRS, Bluetooth, quadriband à 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Ce module permet en utilisant les commandes AT d'effectuer et de recevoir des appels, d'émettre et de recevoir des SMS, ainsi que de se connecter et de surfer sur le web. Le module est alimenté en 3,3 volts via les GPIO de la Raspberry Pi. Il communique en série avec la Pi à une vitesse de 9600 volts. Le module se monte comme ceci sur notre Raspberry. Ici, nous avons une Raspberry. C'est une Pi modèle B+. Le module se branche directement sur les GPIO, comme vous pouvez le voir. Voilà, notre module est branché. Le module dispose d'une antenne qui se place à ce niveau. Nous avons ici un bouton pour l'alimentation du SIM800 et son arrêt, et un deuxième bouton pour un reset pour redémarrer le module. Il est muni de connecteurs mini USB. Le premier est pour permettre l'update du FireWire du SIM800. L'autre est utilisé en cas où la Raspberry ne peut fournir suffisamment de courant pour faire marcher le module. C'est une alimentation supplémentaire. Le module dispose ici de notre connecteur pour mettre notre carte SIM. Il est fourni aussi avec deux connecteurs jack. Le premier est pour les écouteurs et le deuxième est utilisé pour le microphone. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation du RPI GSM Add-on version 2. Dans nos prochaines vidéos, nous montrerons comment tester et utiliser ce module. D'ici là, nous vous invitons à nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.